partons sur les traces de José Tejedor, un brigand qui a fait trembler les Héraultais. José Tejedor naît le 3 mai 1897 à Yatova, une petite province de Valence en Espagne. En 1914, il franchit la frontière pour venir travailler aux mines de Graissac, puis à la construction de la voie ferrée, puis la Tour-sur-Orbe après un séjour en Aveyron. Il occupera plusieurs emplois journaliers à Saint-Chinian, puis a été mis plusieurs fois sous les verrous pour vol, vagabondage, port d'armes et infraction à l'arrêt d'expulsion. Il se retrouvera à la prison de Béziers en 1927, où il rencontra son futur compagnon de route, Antonio Alfonso, installé à Cosinodoul. Il se lance de concert dans la visite de maisons isolées. Il dérobe sans état d'âme, argent, victuailles, armes à feu, sans aucune agression physique ne leur semble leur être reprochée. Aux yeux de certains, Tejedor apparaît presque comme un personnage sympathique sachant faire preuve d'indulgence. S'il y avait deux jambons, eh bien il n'en prenait qu'un. La légende dit qu'il aurait laissé de l'argent pour dédommager certaines personnes volées, qui étaient aussi pauvres que lui. Les cabanes de charbonniers, isolées dans les bois, elles aussi ne sont pas épargnées par Tejedor, qui entretient cependant de bonnes relations avec certains occupants de ces cabanes. Ceux-ci se défendront bien plus tard, des soupçons de complicité pesant contre eux, en invoquant l'emprise de la peur et de la menace de mort. Les deux malfrats possédaient différentes caches, bien camouflées, mais qu'ils retrouvaient rapidement grâce à leurs repères intelligemment dissimulés et utilisés. Antonio Alfonso, quant à lui, est arrêté en 1928 et livre plusieurs de ses caches, dont une dans la commune de Saint-Nazaire de la Darée. Pour cette collaboration, il ne sera condamné qu'à 8 ans de réclusion en janvier 1930. Tejedor écopera, quant à lui, à 20 ans de travaux forcés, par contumace, ce qui ne le découragera pas de poursuivre ses larcins et même de les multiplier, devenant de sorte l'ennemi public numéro 1 sur notre terroir. Au cours de l'année 1930, Tejedor aurait rendu plusieurs visites à un charbonnier de Fos, se confia à lui et lui raconta en détail ses méfaits et indiquant sa dernière cache en date. En prime, il lui avoue qu'il avait volé un jour et qu'il aurait remboursé en lui donnant un louis d'or et 4 écus de 5 francs français. En septembre 1931, Tejedor est arrêté sans grande résistance à Cessenon, où il faisait quelques achats. Sur les indications du charbonnier de Fos, les gendarmes découvriront sans mal la cache située à la limite de la commune de Fos et de Faugères, peut-être non loin de la bergerie d'Albouy. Dans cette cabane en pierre sèche, afin de ne pas attirer l'attention, la fumée s'échappait non loin du bâti par un conduit souterrain. Pour se protéger du froid, l'entrée était très étroite et le passage y donnant un accès établi en zigzag. Un confortable lit de branches occupait la pièce unique. En 1932, le brigand avoue tous ses forfaits, même ceux qui ne lui sont pas attribués. Le revoici, sans indulgence de la cour, condamné à 20 ans de travaux forcés. En septembre 1935, il arrive sur l'île de Saint-Laurent de Maroni, en Guyane, et puis transféré aux îles du Salut, considérées comme le refuge du diable par les Indiens Kalinas. On interne les forces têtes et les évadés. Rares étaient les bagnards qui résistaient plus que de quelques mois à de telles conditions de détention particulièrement rudes et inhumaines, dans un environnement dont il est difficile d'imaginer l'immense insalubrité. Le padulisme y décima autant les détenus que les gardiens. Sa solide
constitution et une endurance exceptionnelle forgée pendant son expérience de brigand permis à Tejedor de résister 4 années. Il décédera le 15 septembre 1939, laissant de souvenirs qui, à tort ou à raison, finissent encore jusqu'à ce jour à être une légende.